Voilà, je suis très bien. Solution riposte, et c'est la rééducation par l'escrime après une opération du cancer du sein. Et donc maintenant, là, cette année, à partir de cette année, nous passons sous l'égide de la Fédération française des ASPTT et ça s'appelle Je m'active santé. Le club accueille des handicapés également et puis évidemment des tireurs valides où nous, on compte une centaine d'adhérents. Le cancer du sein touche une femme sur huit, ce qui représente plus de 60 000 nouveaux cas par an en France. C'est le cancer le plus fréquent des cancers féminins. Et donc, malheureusement, il y a encore 12 000 femmes qui meurent tous les ans en France de cancer du sein. 20% des cancers du sein sont diagnostiqués avant l'âge de 50 ans, et donc avant l'âge du dépistage organisé des cancers du sein. Et donc, c'est un cancer qui nécessite des traitements lourds, parfois avec de la chimiothérapie assez agressive. Et donc ce cancer touche des femmes dans leur vie intime, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. Pourquoi le choix de l'escrime? La pratique du sabre, c'est une pratique qui est simple, l'arme est légère. On parle d'une arme parce que c'est un sport de combat et souvent les patientes qui ont eu à combattre un cancer du sein ont souvent de la rage et cette pratique de l'escrime leur convient bien. C'est un sport qui est ludique, qui est élégant parce qu'on a une belle tenue. C'est un sport qui est facile d'accès, c'est un sport qui nécessite aussi de la concentration et c'est très important pour les patientes qui ont notamment eu à subir une chimiothérapie ou à prendre des traitements hormonaux. Déplier le coude, travailler avec une mobilisation rotale du bras et revenir directement la main sur le côté pour travailler l'amplitude du mouvement. Donc à chaque fois, j'allonge entièrement le bras, je replie entièrement le bras. Voilà, ça c'est des mouvements qui permettent justement l'enchaînement, hop, et une bonne coordination et un travail de vitesse également. Hop. Donc là on va doucement au départ et on accélère au fur et à mesure le mouvement. La Solution Riposte, c'est une association qui est née de par un médecin fédéral, donc qui a créé cette association avec un maître d'armes. Donc ils se sont rendus compte en fait au fur et à mesure des consultations au service oncologie à Toulouse que plusieurs femmes justement opérées du sein avaient une moins bonne mobilisation de l'épaule. Et donc elle a eu pour idée justement de faire travailler des mouvements d'escrime afin justement de mobiliser l'épaule opérée et de permettre une meilleure coordination, un meilleur mouvement au niveau du bras. Le club de Lannion d'ailleurs était un des premiers clubs bretons à s'intéresser à cette activité-là. Donc moi j'ai découvert la solution Riposte lors d'Octobre Rose 2019 à Perros-Guirec, à l'espace Rouzic. Donc c'était le mois de mon intervention, j'étais un peu sceptique au départ, mais bon, maintenant je suis ravie, la preuve, je suis toujours là. Donc j'ai vu donc, que ça existait dans le journal, Solution Riposte, et donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête, et quand j'ai été malade, j'ai été en fait au forum des associations, et j'ai rencontré du coup Benjamin. On nous apprend qu'on ne peut plus porter de charges lourdes de ce côté-là, et du coup on est toujours en train de ménager ce bras-là. Et le fait de faire du sport, ça permet de le mobiliser en étant bien conseillé en fait. Même attraper par exemple un truc tout bête, attraper un truc dans un placard, on a l'impression qu'on tire sur tout et après du coup il n'y a plus ce problème-là. C'est comme si on était revenu mobilité normale et ça a été vraiment hyper impressionnant au début des séances. Moi je l'annonce comme un traitement à l'annonce du cancer. On propose, on dit qu'il y aura de la chirurgie, de la radiothérapie, des hormones, et puis aussi qu'il y aura du sport sur ordonnance.
parce que ça va leur permettre de mieux accepter les traitements, de mieux vivre leur maladie, de moins perdre de masse musculaire, parce qu'une chimiothérapie pour un cancer du sein, en moyenne, c'est 1,6 kg de muscle qu'on perd en 5 mois. Et donc ça, c'est beaucoup. Et il y a un pourcentage non négligeable de patientes qui démarrent leur traitement par la chimio et pas par l'opération. Et donc, ces patientes, elles peuvent déjà faire de l'activité physique alors qu'elles n'ont pas été opérées. Ça leur fait un bien fou pendant la chimiothérapie. Moi, j'ai eu un diplôme donc, de maître d'armes classique donc, via la Fédération française d'escrime. Un peu plus tard après, il y a eu une formation sur l'escrime et le cancer du sein, donc sur le sport santé, par des actions spécifiques à l'escrime. Sans s'en rendre compte, on va justement développer l'ouverture donc de l'épaule, l'ouverture des mouvements et l'enchaînement des actions. J'ai été opérée moi à Rennes et donc mon chirurgien me demandait de faire de l'activité physique adaptée. Alors les bénéfices donc, physiques, c'est déjà pouvoir avoir une meilleure mobilité au niveau du bras. Il n'y a pas de médicaments, voilà, c'est vraiment par l'activité elle-même finalement qu'on fait leur éducation. Donc c'est sous forme de jeu un peu, donc on n'en souffre pas, donc voilà, c'est bénéfique. Il n'y a pas que le sport en fait, il y a l'ambiance, on ne parle pas forcément de la maladie, on arrive à oublier qu'on vient, pourquoi on vient en fait. Parce que ça fait aussi travailler la tête et la coordination, ça mobilise cette partie-là qui est importante, pas que physique quoi. Au tout départ, on arrive, on discute tranquillement, un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure. Alors, c'est arrivé des fois, il y a des séances où ben, on passe le temps à discuter aussi, ça fait partie aussi de l'association. Et ensuite, on commence après directement avec un échauffement. C'est la mise en route du corps, donc voilà, on active les différents muscles doucement, tranquillement, chacune à son rythme, évidemment. Et ensuite, on passe sur les fondamentaux. Alors en escrime, les fondamentaux, c'est le travail de jambes. Donc c'est tout ce qui est déplacement, mouvement. Et on termine en général avec de la partie technique, travail de main. Et c'est là où on va travailler tous les mouvements justement d'attaque et de défense. Alors le moral aussi, ça c'est pas mal parce que du coup on n'est plus toute seule dans son coin. On a des expériences des anciennes, on rassure les nouvelles aussi. Et on peut même se donner des astuces. Du coup l'escrime c'est bien parce que ça nous fait sortir justement de notre, de chez nous en fait, et aller vers les autres. Et en plus on est dans un groupe bienveillant, donc c'est vrai que c'est... C'est vrai que ça c'est vraiment important et se bouger ouais, et se rendre compte qu'en fait on peut récupérer des choses comme avant. Parce que moi j'ai eu quand même un traitement assez lourd. Ce qui nous motive également pour pouvoir continuer dans un très bon esprit, c'est l'ambiance qui règne dans le club. Et ça, c'est très 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 important pour nous. Au-delà de l'activité physique, c'est l'activité sociale qui est vraiment sympa. Et voilà, on est toutes passées par les mêmes difficultés, plus ou moins difficiles, mais on est heureuse de se retrouver. On n'est pas là pour parler de la maladie, mais si on a besoin d'en parler, on sait quand même qu'on a une écoute particulière dans ce groupe-là. Et c'est vrai que pour ceux qui ont été malades au moment du confinement, il y a eu moins d'échanges de groupes de parole et on était un peu plus isolés. Et de pouvoir un peu rattraper des choses maintenant, ça fait du bien aussi. Si elles sont restées actives et dynamiques pendant tout leur traitement, mm-hmm. Et ben elles vont pouvoir prendre beaucoup plus vite leur travail. Elles sont valorisées par rapport à leurs enfants, par rapport à leur mari. Elles ont l'image de la femme sportive plutôt que de la femme qui reste chez elle, à être malheureuse de vivre et de voir leurs cheveux, et de voir ses cheveux tomber. Et donc là, c'est une autre image qu'elle donne. Le prêt du masque, le prêt de la, enfin, tout ce qui est matériel de sécurité. Tout ça, c'est gratuit, et également l'inscription sur la première année. Et le comité départemental a décidé que tous les ans, ce serait gratuit pour les femmes. Les cours d'escrime adaptés au cancer du sein sont proposés dans une vingtaine de clubs partout en Bretagne. Vous avez un numéro d'appel unique qui permet d'être accueilli par une patiente, une riposteuse, c'est comme ça qu'on les appelle, qui va pouvoir vous guider sur le bon moment pour démarrer les séances, vous donner toutes les informations nécessaires à la pratique et qui va pouvoir vous guider vers le club d'escrime le plus proche de chez vous. À Lannion, c'est le mercredi matin de 10h à midi. Et donc c'est à la maison des sports à côté de la piscine Tidour. C'est un cancer qu'on soigne de mieux en mieux. Il faut savoir que plus de 9 femmes sur 10 guérissent de leur cancer du sein, que les traitements qu'on peut leur proposer voient des innovations apparaître très régulièrement. Dans le cancer du sein,
de bons pronostics, on arrive à proposer une désescalade des traitements moins lourds, et puis aussi des traitements innovants pour les cancers du sein chez les femmes qui sont porteuses de métastases, qui permettent vraiment d'améliorer énormément le pronostic de guérison de ces patientes et le pronostic de survie de ces patients. Voilà, j'encourage vraiment d'autres femmes à pouvoir le faire, parce que c'est ce côté sympa. Et du coup, après, on est reboosté toute la journée pour le quotidien. Ouais.